Et de retour, les amis, pour ce groupe. F. Bien joué, les questions pièges ne marchent plus maintenant. Tout le monde suit, tout le monde est carré. Comment ça va? Bah écoute, ça va bien parce que c'est F comme Flash et exactement. On va caster du Flash. Flash versus Symbole, les amis, le BO3, ça va commencer tout de suite. Tu veux nous parler un peu des deux joueurs peut-être? Ah bah deux joueurs qu'on adore. Bah, y a celui qui était surnommé Dieu sur Baudouard, qui est toujours surnommé Dieu, mais qui vit un peu sur ses acquis. On attend du génie. On attend une première codesse cette année quoi. Comment ça une première codesse cette année? Il en a fait l'année dernière, mais là cette année il n'en avait pas eu. Bah non, on a eu, je t'ai dit, on a eu 3 terrains la première saison, 4 la deuxième. Pas et de il flash. Était pas dedans. Ah, pas de flash et tristitude chez tout le public terrain et public international. Bah oui, moi on m'avait envoyé l'information qu'en effet Flash, du moins il y a 6-8 mois, était un peu en dessous de où on l'attendait en gros. Bah disons qu'en fait il a toujours été très bon en Pro League. Ouais. Vraiment il a largement Pro League, aidé. Rappel, c'est le compétition par équipe de, enfin c'est la compétition en Corée en fait. Finalement ils accordent plus d'importance à ça qu'aux ligues individuelles en fait, c'est à ce point-là. On vous conseille de regarder la Pro League d'ailleurs, c'est une très belle compétition. Ouais, c'est magnifique. Et donc Flash, il était très bon là-dedans, mais dès qu'il était en compétition individuelle, ouais. Et pas plus personne parce que ça restait un bon joueur, mais c'était très très en deçà de ce qu'on attendait. Et là, on espère que c'est enfin cette saison, parce que là, il faut qu'il mette des c'est points. Resurrection. Il faut des points, là, il lui faut des points WSS, ça tire la gueule, en gros, il faut qu'il gagne. Pour espérer faire une BlizzCon, il faudrait qu'il gagne ou qu'il fasse un top 2, top 4, et derrière qu'il mette des points un peu partout, mais comme ça voyage pas beaucoup, un joueur qui est pas. Clairement, et ça, c'est le petit problème pour faire des points. Et Symbole, t'as des infos un peu alors, sur lui? Alors, Symbole, il est. Il est un peu en deçà depuis quelques temps, c'est-à-dire ça reste un joueur de Codes, niveau Codes, hein, il y participe à chaque fois, mais c'est plus le Symbole qui faisait quart de finale à chaque fois, quoi. C'est plus le même, il a un petit peu en perte de vitesse. J'avais cru remarquer ça pendant Warround, parce que c'est vrai qu'au dernier Warround, il était dedans, et en effet, je l'ai trouvé un peu moins flamboyant, si je puis dire, que ce qu'il a pu proposer. Après, c'est un garçon qui n'a pas eu de chance, dans le sens où il avait signé chez Azubu, et que finalement, il n'y a plus d'Azubu, donc là, il est centime depuis un moment, c'est quand même pas moins facile de s'entraîner, etc., de trouver la motivation, de se faire fouetter par le coach pour aller faire les heures. Comment ça? Tu n'as fait que 7 games aujourd'hui? C'est, je veux dire, 7 Faller. Heures 7 heures de game. Il en manque la moitié. Eh ouais, et plus voilà. 5 mon gars, tu feras tes 12 heures, comment? Bien sûr, c'est à la coréenne. C'est parti du coup, Yata la réalisation. Big up Yata qui vient de nous envoyer. Wallé, la game Yata. Et c'est parti, on est sur Merry-Go-Round, au sud de la map. Maintenant j'aime bien dire comme les au code A. Donc Z6. À 6h. À 6h. Vous l'avez vu, c'était Symbole. Sans équipe, Symbole. Et vous le voyez. Flash qui est à droite de votre map. Voilà Flash a toujours son œil d'ailleurs qui stresse un peu, ouais. Un peu là, qui part en mode Terminator. Il a l'air très très concentré, Flash. Ouais. Très très concentré. Hein, le visage qui dégage une petite pression quand même là, parce qu'il a pas le droit de se rater à celle-là. Surtout que dans le groupe d'avant, son coéquipier TY vient de passer, donc il se dit attends, je peux pas être le deuxième terrain de mon équipe, pas moi Flash. Non mais clairement ça ne colle pas du tout. J'ai cru qu'il avait fait un truc à 11 parce que le baraquement il l'enchaîna, c'est ça. Il a fait un 11-11, ce qui signifie normalement qu'on devrait avoir 3 Reapers de la part de Flash. Et il aime bien les Reapers Flash, hein, donc ce serait pas déconnant du tout en Pro League, il en fait à peu près dans tous les matchups en fait, je crois, pour faire simple. Attends, je joue quoi? Moi je vais faire un Reaper. Je m'en fous. Reaper est une unité très forte quand vous avez un maximum de micro-gestion et c'est vrai que Flash venant de Brood War, comme ouais. Tu disais, étant un dieu chez Brood War, avec ce support, c'est vrai que c'est pas étonnant qu'il aime bien les Reapers. Ah non mais il a des stats absolument scandaleuses, hein, Flash, sur Brood War, il était pas très prenable. Et d'ailleurs, un des derniers à lui avoir pris une game sur Brood War, c'était Deer. Sérieux? Ouais. Alors comme qu'il était genre à 12 ou 13-0 en Pro League, il y a Deer qui est venu... On arrête. J'en prendrai une. C'est ça. Ah, c'est bien joué. Ah, je vais le limer ce BO, je peux te dire, ça va passer. Après, c'est du Baudouin, donc je pourrais pas trop vous détailler le BO hein, parce que j'ai une connaissance de la profondeur de Baudouin assez limitée. Ah, pareil, très limitée même. Mais ce qui est passionnant quand même quand je m'amuse à regarder de temps en temps avec l'équipe Snipelot sur Team Liquid, c'est que tu vois quand même qu'il y a beaucoup de parallèles que tu peux faire. C'est-à-dire que c'est quand même intéressant. T'as tout, évidemment, c'est pas du tout calqué, mais t'as quand même des choses sur la prise de gaz et compagnie qui se rejoignent totalement à StarCraft 2. Zéro complexe, c'est-à-dire il colle le bunker à la hatch. Genre, non, j'ai peur que tu le vois. Je déconne. Non, clairement, ouais. Très bien joué. Très bien joué de coller le bunker comme ça. Attention ici, on a les petits drones qui viennent attaquer. Il en profite parce qu'il n'y a pas encore le creep. On écarte avec le VCS et qu'on continue. Le premier Reaper qui va pas tarder à arriver, vous le voyez, il est à moins d'une dizaine de mètres maintenant.
Et c'est parti pour et la première voilà, pression. Le petit coup de jetpack et crouf, on est dans la base et on est dans la main. On va tenter d'aller gratter un ou deux drones tout de suite. Les premiers Zerglings et la première Queen qui sont déjà lancés. Voilà, les Zerglings qui arrivent, Flash qui réagit instantanément. Il est déjà chaud et voilà, qui sort du creep pour éviter de se faire manger. Et de ce côté-là, voilà, c'est lancé en même temps par Flash, c'est normal. L'observateur qui nous montre ça très précautionneusement quand même. Ouais, clairement. Par contre, il va avoir besoin de faire un peu de dégâts parce que quand vous posez le bunker avant le CC, quand même, vous retardez légèrement le CC. Ah ouais, alors, clairement, ouais. Bon, c'est pas. Mais si tu ajoutes le 11-11 plus le petit bunker plus, bah, au final, comparé voilà, à un joueur terrain qui va faire juste deux Reaper Factor Réacteur, tu prends quand même un peu de retard. Donc, très bien joué de la part de Flash. Mais ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que il a besoin de faire un minimum de dégâts et de quand même embêter un peu Symbole parce que ça lui a coûté un petit prix. Mais pour l'instant, c'est très très attention, bien exécuté. Attention parce que l'air de rien, la Queen qui morfle un peu à l'air de rien parce qu'elle peut pas vraiment faire grand chose. Clairement. Parce que le bunker apporte ce petit surplus d'épaisse. Hein, c'est pas fou des Reapers dans un bunker, mais il s'en fout. Flash, voilà, il va sauver ses Reapers avant que le bunker arrive. Par contre, pas de salvage hein, sur le bunker. Dommage. Effectivement, on aurait préféré qu'il sorte un peu plus tôt, mais voilà, 3 Reapers, là il faut faire du dégât. Et là tu vas voir que la Queen, mon gars, il va essayer de la voir. Les Zerglings qui sont toujours là. Ouh, pop, 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 c'est risqué maintenant qu'il est là, c'est beaucoup mieux. Oh, c'est un joli move là-dessus. Oh, il va choper du drone. Et là il va choper du drone parce qu'il n'y a plus de Queen, il n'y a plus rien. Et là ça va one shot. Oh, c'est bien joué, hein, très bien joué. Hein. Tactiquement, vous pouvez voir Flash un peu. Comment est-ce qu'il s'organise avec 3 Reapers? C'est ouh, pop, 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 pop. J'ai cru qu'il allait prendre le dernier coup totalement fatidique et c'est pas le cas. Regardez là, ça, le nombre. Regardez parce que ce qui est excellent sur ce. Excuse-moi, sur ce game art là, on pourrait dire c'est que vous voyez tout le temps. Et vous voyez, il a plus que plus de 240 de minerais qui rentrent par minute. Ouh, non, si Symbole qui l'a chopé. Joli focus de joli target fire de Symbole qui chope le Reaper qui était devant. Fallait le faire ce clic et clairement. Il est important, il est très important pour Symbole. Non seulement pour cette vague là, mais pour la deuxième vague avec les Hélions, ça change les choses qu'il y a un Reaper de plus ou moins. Et il macro tellement bien qu'il a les deux Hélions qui vont sortir malgré cette micro-gestion. Ça, mes amis, il y a que très peu de joueurs coréens qui sont capables, enfin très peu de joueurs dans le monde qui sont capables de faire ça. Et je blague pas. Attention ici. Oh, c'est bien joué, les Reapers qui absorbent une partie des dégâts. Oh là là, comment il a géré ça? Ah, hallucinant, il a pas perdu une unité. Et là-dessus, il a quand même prélevé au moins 10 Zerglings, je pense. Clairement. Si c'était pas 12. Donc, très très bonne opération. Ça fait 12 plus les 6 ouais. Du début, limite. Ouais, donc, ça fait 18. Donc, je pense que c'était 12. C'est fou quand même hein. Ah, c'est pas mal du tout. Voilà, Symbole Résultat qui est obligé de réutiliser 5 larves pour faire des Zerglings hein. C'est toujours ça de prix. Et Flash Résultat qui finalement a fait moins de dégâts de drone que ce qu'il aurait voulu, mais qui a fait les dégâts qu'il fallait. Donc il est bien. Clairement. Et puis il est bien. Regardez, 28 collecteurs à 33. Il a double mule et 3ème CC qui se termine. Donc triple mule. Très très bon job là de la part de Flash. Impressionnant tactiquement comment c'était bien exécuté. Les 4 tourmenteurs qui vont arriver ici, plus les 2 Reapers. Ponf qui se pose aussi discrètement devant l'écran parce qu'il sent qu'il y a du skill. Et pour faible skill. Ouais, c'est lourd, du coup j'ai raté le début de la game. Comment ça se passe? Oh, c'est fort. C'est fort, il y a c'est beaucoup fort avec 3 Reapers. Mon gars, ce qu'il a réussi à faire. Très belle micro. Attention, et en face, Symbole a très très bien tenu aussi. C'est vrai, non, la défense était belle, mais ce que j'ai aimé, c'est le côté, comme il a fait sortir tous les drones, il y a vraiment pendant 30-40 secondes, il était qu'à 200 de minerais par minute. Donc, même si, comme le disait l'elfe, c'est vrai qu'au niveau du compte de drones, il en a pas tué tant que ça. Derrière, il y avait quand même, il a totalement sorti de ses gonds Symbole pendant 15-20 secondes. Attends, t'as un fast T2 et des roaches. Ça, c'est exceptionnel. Alors, si c'est Symbole, c'est soit un truc genre un speed roach et un gros push. Mais sachant que c'est Symbole, il a aussi des trucs dégueux, genre du drop ou du canal de Nidus, hein, ce qui ferait plaisir à mon voisin de gauche. Clairement. Monsieur Ponce. Speed roach. Dommage, désolé. Enfin, ça peut encore être les deux, hein, ceci dit, mais attention. Clairement. Il fait du. Nidus oh speed roach n'engage pas à grand chose, il faut le savoir. Mais ouais, c'est pas évident à caler en Zerg versus Terran un chrono Nidus l'elfe. Ah, mais Symbole, je l'ai déjà vu faire. J'ai mais il un fait peu du Nidus Symbole, ce que j'allais dire, ouais. C'est pas genre un truc. Oui, voilà, non, il gagne avec cette strat, il le fait pas juste pour faire kiffer les gens. J'aurais pas tenté avec d'autres joueurs Zerg avec Symbole, je me suis dit. Ça pour peut ma fanbase Nidus, le cal en GSL. LOL. Allez. Et la prochaine, je fais full Broodlord. Il les cache là, vous le voyez. Enfin, il le cache plutôt son canal de Nidus en mettant le plus d'overlord possible au-dessus les quelques Zerglings qui restent en défense, on va dire, devant la B2. Et regardez, l'overlord, il est là. C'est un changelin qui va pouvoir se donner la vision tranquillement. Il va falloir l'abattre, ce Marine, ce Flash. Il a pas tué le changelin au passage, hein, attention. Et il a et pas, Nidus, il est parti. Hein. Et il a pas trop de. Ouais, il est en bas. Oh, ouais. Magnifique! Énorme! Magnifique! Canal il a dit qu'il a réglé le problème. Attention, il a pas énorme pour tenir. Double! Et c'est un canal Nidus!
maximum de roches dans la baie. Flash, il comprend plus rien. Il n'a plus que quelques Marines. Il va perdre sa petite tourelle. Rien de bien grave pour le moment. Il a quand même de l'unité de Flash. Ouais, il a du Marines, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux contre le roche. Attention, attention à sauver ce Techlap. Sauve le Techlap. Ah là 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 là, la catastrophe. La perte. Et les Queens qui arrivent. Et c'est la mise à sac de la base de Flash. Flash qui va devoir tenir. Ça va être compliqué là-dessus. Allez, c'est pas mal. On steam ici. On essaie d'abord de se faire les canaux de Nidus pour éviter tout renfort. Allez, c'est bon. Ça va être nettoyé. Ça va être nettoyé. La question c'est toujours après, à quel prix 27 collecteurs à 44. Eh, GG. Ah ouais. Je trouve le GG un peu rapide. Ah bah disons qu'il fallait, il avait beaucoup commis dessus, mais... Il avait zéro technologie, ouais, on pourra trouver plein de points, mais 27-44, quoi qu'il se passe, 27 plus 15, le terrain était à peu près... Ah le GG quand même disons qu'il, ouais, non, il, c'est un joueur pro, il sait si GG, oui. C'est qui sait qui gagne jamais quand il rate ses Nidus. Mais ouais, ça vu comme ça, j'ai été un peu choqué. Ah je le trouve rapide, c'est pas du Hydra GG mais c'est du GG rapide. En tout cas Flash qui a, défendu ça parfaitement. Tu catégorises le GG. Alors, tu es entre un Hydra et... et le Marine King, celui il te reste t'as une demi-unité, t'hésites encore. Oh attends, je me tâte. C'est correct. Ouais, j'ai quand même 8 de pop. Attends, il est sur cette base. Ah, jouable. Et Flash qui boit son Pocari Sweat. Ouais. L'excellent Pocari Sweat. Hein, si le bon vieux Pocari Sweat. Ah, si clairement, on a 1-0, vous l'avez vu les amis, pour le moment Flash qui fait honneur et qui gère plutôt bien, même si Symbole, en fait franchement celui qui a fait la game, c'est beaucoup plus Symbole que Flash. Je sais qu'ici on est un peu content de rejoindre Flash, de revoir Flash, mais c'est vrai que ce qui était excellent dans cette game, c'est Symbole, c'est son Nidus, c'est le prono l'elfe en plus. Oui. Les mecs, serait-il pas un Nidus? C'est pas une situation Nidus ça. J'ai quand même profité du truc, c'était qu'il y avait quand même la Fastlair et le Roach Warren, donc ça pouvait pas être des mutas. Connaissant Symbole, je me suis dit, on sait jamais sur un malentendu, ça peut passer. Non, mais c'est quand même peu utilisé, enfin, comme disait Bon, il fallait la sortir. Donc bon, bien joué. Et c'est parti, les amis, les deux joueurs qui se reconcentrent. On va être sur Overgrowth, Luxuriance. Luxuriance, la Luxuriance. Et nous avons Flash, qui a tes rollsters. Kitty, Flash. En bas à gauche. Vous voyez que pour le moment, son œil ne bug pas. Ça veut dire que tout va bien dans sa tête. Ça veut dire que tout va bien avec ses petits écouteurs verts. Terran for life. C'est ça. Jizzle. Ils ont l'air très contents. Ils ont l'air très contents d'être là. Mais écoutez, vous aussi, soyez contents. Allez visiter les Gum Studios qui sont maintenant dans le Gangnam, puisqu'ils ont déménagé. Et vous serez accueillis tels des rois. On vous donnera même un petit traducteur en échange de votre pièce d'identité. Donc prévoyez-la si jamais vous voyagez en Corée. C'était le Pro Tips Touriste. Et on peut se reconcentrer sur Luxuriance. Luxuriance avec encore un départ Reaper de Flash. Par contre, t'apprends qu'aujourd'hui, il y a un avion qui s'est quand même pris une roquette russe ou ukrainienne quand même pour les voyages, là, ça... Ouais, bon. Mais c'était pas grave, c'était malaisien. Ah, si vous y allez, n'y allez pas. C'est vrai. Non, moi, j'ai très confiance en avion, c'est juste que... Je prends pas malaisien, là. Il fallait que je la sorte. Ça m'a choqué ce matin. Un avion s'est fait abattre. Un missile solaire. Ah, okay. Un avion commercial. Commercial se fait... Ah, d'accord. Tout va bien. 2014. Du coup... Et on sait pas qui c'est ça qui est beau. C'est ça qui est marrant, ouais. Heureusement qu'on a posé 3 milliards de satellites, hein, parce que sinon... du coup, les baraquements qui viennent de se terminer et... Ouh, départ. Non, si, il y a un gars qui a été pris, excusez-moi, je vois pas bien. Il y a un gars qui a été pris, c'est donc un Reaper qui a été envoyé. J'ai cru qu'il avait fait un One Rax Expo et qu'il fera le double gaz après. J'ai pas encore vu Flash faire ça. Non, mais c'est des Reapers. On l'a dit, Flash. C'est vrai, il aime ça. Reaper, donc, ça, il aime le Reaper, le cochon. Mais franchement, quand on voit ce qu'il en fait aussi. L'artiste du Reaper. C'est respectable. L'Overlord Ponf qui va découvrir. Magnifique. La base du terrain. Christophe une invitation au voyage, cet Overlord. C'est ça. C'est ça. Qui découvre une autre. Sur son et dos. Comme il n'y a pas de marine, ça ne fera pas de Malaysia Airlines. C'est vrai. Ça passera bien. Et qui va découvrir quand même que la planète est habitée. Luxuriance, mais est pas sans violence. Est en train d'être colonisée. C'était pas terrible, mais c'est... on est là, mon gars. Regarde, cet Overlord qui suit totalement la ligne médiane de la hauteur. C'était bien la peine de récupérer la vaisselle. Et le premier Reaper qui arrive. Alors il y a un Terran rouge et un mec en bleu en face. Who did you? Il y a comme du feu qui sort des fesses. Big up à tous. C'est un faucheur beau. À toute notre fanbase paysanne. Et donc on est parti. Et le Reaper qui tient bien pour le moment, hein. Il va au First Blood, l'elfe est en train de décéder, mais tout va bien. Le deuxième Reaper qui devrait pas rejoindre, car elle n'a pas été envoyée, mes amis. On a réacteur directement derrière pour faire deux Marines pour choper l'Overlord et pour switcher pour les Tourmenteurs.
Donc sympa parce que Flash quand même il change. Première game 3 Reaper, deuxième game 1 Reaper. Et 3 CC. Et 3 CC donc mind game in progress. C'est ça, mais toujours le départ Reaper quand même plus que symbole se sent pas trop à l'aise. Clairement. Ah, et c'est ça, non mais c'est important. T'es pas chez toi ici. Voilà, tu te calmes sur la crypte tumeur, tu te calmes sur tout, la baraque qui s'envole. Est-ce que Flash voudrait faire mec? Ah ça j'adore. Ah, c'est surtout pour choper l'Overlord je pense dans un premier temps. Oui ça oui, mais est-ce que... Ah, non, il attention, attention, bah reviens mon poulet. Voilà, ça c'est bien joué. Parce que Flash joue beaucoup mec aussi, c'est aussi pour ça que je me suis permis. Ah non, non, mais t'as raison, parce que en théorie, le timing où tu envoies le Steam, bah, c'est ce moment-là. C'est-à-dire que t'as fait ton inversion réacteur, et c'est vrai que normalement, tu reposes ton baraquement et tu peux envoyer le Laptech plus Steam. Ouais. Il l'envoie, mais c'est vrai que ta remarque était bonne, ça lui faisait perdre un peu de temps là-dessus, donc on aurait pu se poser la question. Non, ouais, je me la pose toujours, hein, ceci dit, tant que j'ai pas vu d'unité de caserne sortir. Ah, que s'il y a le Laptech, tu laisses forcément pour envoyer un petit Steam. Oh. Ouais. Un petit maraudeur défensif. Non, tu non, ouais, non, non, il aurait déjà fait la facto. Me chauffe pas, hein. Ah, le v'là le symbole. Le v'là le je t'envoie un maraud, moi. Le troisième CC qui est posé, et on envoie les tourmenteurs par deux. Et bah, t'as roche, les mecs, encore une fois par symbole. Ah, bah, contre symbole, ça, tu sais que tu es jamais perdant si tu fais des maraudeurs, honnêtement. C'est... Ah, oui, il aime bien faire du roche. Ah, oh, bah, symbole, le tier 2, c'est très abstrait comme notion. Ah bon? Ah, c'est intéressant, ça. Je savais pas, ça. Non, j'exagère, mais un peu, mais rappelle-toi comment il est venu à Iron Squid avec des all-in roche. Non, non, clairement, c'était la fourberie de Scapin. Ah ouais, de Scapin et même d'autres. Hein. Ouais, tu pensais à qui? J'en sais rien. Ah, tu m'aurais donné d'autres références. C'est pour ça que je te demandais. Et de Sguenarel, c'est pas grave. Volons, volons des références. Allez, les tourmenteurs qui repartent au milieu de la map. Ponf là. Ponf. Tu ne parles pas assez au micro, mec. Non, mais moi je suis l'intervenant externe. C'est pour ça que je te lance. Moi qui ai le micro-main. Je te lance. Ouais, alors voilà, des queens. Tu me lances sur quoi, mec? Tu dis parle. C'est ça, mon gars. Ouais, moi je regarde, mec. Moi je regarde le style. Je te lance sur rien et tu m'envoies sur la lune, mon gars. C'est ça. Tu veux que tu me fasses rêver? Moi je suis juste en train de kiffer le skill. Le skill de Flash. Et je serais curieux de voir du coup ce qu'il pourrait donner contre un mec type TTY ou Rain. Qu'on a vu. Ou Rain, ouais, ouais. Même Rain DRG, Flash, hein, DRG. Ça promet pour les rounds de poule du Codes. En bah ouais, tout cas, ça sent. C'est le Codes, les amis. Il n'est pas encore qualifié. Hein, on verra ça pour le Codes. Il n'est pas qualifié, certes. Il peut encore lose. Et ceci dit, si ouais. Flash se qualifie, ça veut dire qu'on serait déjà à 4 terrains en Codes, c'est-à-dire autant que la saison d'avant, alors qu'il reste 6 groupes à jouer de Coda. Ouais, ça serait très. Donc ça voudrait dire qu'on aurait de la chance, vous aurez récupéré sur All In TV la pile poil la bonne saison, parce que sinon les deux premières saisons c'était que du ZVZ, PVP, PVZ et Marou. Donc au bout d'un moment, c'était des super belles gammes, mais quand il faut un peu de variété, de diversité, tout ça. Donc avoir, je sais pas, cette belle troisième saison GSL. Ah, mais elle va être magnifique celle-là. Il y a tellement d'enjeux, elle va être superbe. Elle va être splendide, elle va être sur Gaming TV. Elle va être c'est parfait. Alors du coup, produit, si, si. Bata Banning qui a été rajouté, on a le T2 aussi qui est là, le double de chambre d'Evo qui a été... Tiens c'est marrant parce qu'il a quand même envoyé le T2 avant le double chambre d'Evo. Eh bien il avait envie, il voulait le speedrush assez vite je pense. Mais ouais parce que si tu veux faire du Ivio au sol, c'est plus intéressant normalement d'envoyer le 1-1 avant. Ouais au final il envoie quand même son 1-1, bah il va juste speed banning muta quoi. Ah il va juste standard. Bata Roach assez... Et Speed Roach, non il va pas... Je suis pas sûr, enfin les mutants à mon avis, ils vont plus tard pour le coup. Là ça va être du... du Roach tu penses qu'il va Yoon? Ouais Roach ouais, Manning, ouais c'est possible Yoon, aussi. Yoon c'était très très all-in-ish, lui il va le faire en mode ultra... Enfin agressif mais pas all-in quoi. Il est déjà sur... il a déjà plus de drones que 3 parties de Yoon quoi. Mais dans ce cas là il aurait pu envoyer une limite 3ème chambre d'Evo et envoyer le plus 1 de portée aussi. Non, c'est ah, vrai, ouais. on a un jeu qu'il a fait ça, et ça passait plutôt pas mal. Il faut du gaz quand même, hein. Tu regardes il en flotte pas... Ah si, j'allais dire il en flotte pas beaucoup, si il en flotte 500, attends pour moi je me trompe pas de ligne. Bah écoute, je ne sais pas. On verra, c'est intéressant parce que je sais que Snoot par exemple, il adore faire juste le speed roach, calcure roach, et après quoi qu'il se passe, il fait gling banning, mais vraiment avec ses premiers roach, ça lui permet soit de bien défendre et d'aller push, et c'est vrai que je trouve ça très bien, mais là t'as raison, c'est assez tendancieux, donc on verra, tout est possible. Les tourmenteurs et les marines qui se positionnent, les roach qui sont bien en première ligne pour calmer et tout ça, c'est très bien joué. Regardez pour les battles et lions, ça va calmer les choses, 13 roach qui sont sortis. Voilà pourquoi il fallait des roach et du speed roach, hein, parce que sinon avec des slow roach tu fais rien de toute façon. Donc c'est aussi pour ça. Ah tiens mais il a fait le, ouais, il a fait la vitesse des Ovi aussi. Donc il veut vraiment avoir de l'info. Il sait que contre Flash c'est important. Il a déjà 65 drones aussi. C'est plutôt bien fait. Ouais, 22 banning en cours de prod. C'est assez. Wow, c'est plutôt pas mal tout ça. Il sait qu'il y a peu de dégâts. Banning qui est pas terminé à ce moment-là en plus. Ouais. Voilà. Il y a pas de dégâts de zone en face. Hein. On joue au Battle des Lions là les amis. Pas de mine, pas de tank. Ouais, ça va être tendu là pour Flash. Hein. Enfin, faut pas qu'il avance sur le creep la Flash. Sinon c'est ouais, son arène mort. Clairement.
Et c'est parti, une sorte de Yoon Push, hein, les amis. Il a combien de pop là? Il a 147 de pop, c'est entre le Yoon Push et le Violet Push, les amis. Et c'est parti, ça va les fondre sur la B3 en construction du genre Terran. Il le voit, maximum de Valin qui sont déjà accélérés, si je puis dire. Les Roach aussi qui ont les petites papates musclées qui permet un peu d'aller plus vite, mon bon. Allez, bon, baloum baloum ici, symbole qui est lourd. Qui ne laissera pas les bunkers se terminer. Ça, c'est un peu la cata. Voilà la troisième base qui est en bas. Regarde la récupération dans les mini-bags. Boum, mon gars. Sérieusement. The A-Team. Sans problème. Vraiment. Ah, il a eu des références le Flash dans sa jeunesse aussi. Comment? L'amour du risque, oh dans les moments. Et là, attention quand même à Flash, hein, parce que là, il va dans sa main et compagnie, mais Symbole a quand même 75 drones, c'est-à-dire que... Il a bien supply block aussi. Ouais, et puis en plus, il peut se permettre d'attendre aussi les mecs. Hein. Gratter. Et attention, le 2-2 qui est très... Oh hey, tiens, ton 2-2, tiens, ton 2-2, tu le voulais, tu l'as plus. Sauf que là, il va pas attaquer, parce qu'il sait qu'il a perdu pas mal de banning, il a sa B4 de pesée, hein. Donc il a pris le choix de se dire, ça sert à rien, par contre, je vole le 2-2. Ouais. Et c'est super bien joué. C'est super bien joué. Il va refaire quelques units. Et c'est ça qui est propre. Il est quand même à 64 collecteurs. Hein. C'est-à-dire quand on a l'impression que qu'il est un peu all-in. En fait, non. Non, non, il est bien. Il a... juste, il a fait plein d'armées. Il y a B4 transition muta, 2-2, 65 drones. Voilà. Qui est all-in ici? Salut Nounou, quoi. Qui all-in? Qui est là en train d'all-in? Vas-y. Qu'il se montre. Parle, parle si tu peux. Wow, 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 c'est quoi ça? C'est des Time supply block. Excellent. C'est des statistiques. Bonf. Je veux mon je veux. Pardon. Attends. Pourquoi on a pas ça, Zero Gaming? Pourquoi on a pas ça, vous? Parce que ça, c'est. Ouais. En fait, c'était quoi? C'était le supply block. Le temps de supply block, tu vois un peu les pubs, en gros, ouais, j'ai l'impression. Ah, énorme. Donc, ah, ça te permet vraiment de voir les erreurs macro plus détaillées. Très bien, pour le coup. Ouais, grave. Il va falloir qu'on essaye de. De le récupérer, de le voler. On se comprend. Du coup, d'autres pédivacs qui sont rajoutés. Flash, il est là où il est pas là. Nous ne savons pas. Un symbole, lui, a plutôt l'air d'être là. Même s'il est mené dans ce BO3. Ah, et les mutas qui arrivent. Vraiment bien dans cette game, honnêtement, symbole. Qui a ça marque de maraudeur, moi. C'est ça qui m'embête un peu. Oh, il est sort par 5 maintenant. Ah, ça va moins manquer de maraudeur, effectivement. Mais il le. Tu vois, au moment où les mutas sortent. Ça va manquer de 2-2, par contre. C'est ça. Ça. C'est ça. Le 2-2 qui va arriver en face. Ah, ce move, il était bon, hein, de taper le libé. Est-ce que Flash va passer ou pas? Et là, la Flash a toujours pas posé B3. Oh, putain, hein. Il y a combien de 40 banlings en morph. Mais non, mais il a toujours pas posé B3, Flash. Mais il y a quand même 40 banlings en morph. Ouais. Oui, 40 banlings. Ah bah oui. Et il y a du creep, il y a beaucoup, du creep, il y a du creep. Ah, do the creep, clairement. Et là, c'est un problème. Et voilà, Mutagling, Bandrin, Roach, à peu près tout l'arbre technologique qui est sorti du T2. Hein. Le fou, il va devoir tout jouer au skill. Il a... Oh, pop, 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 le split. Oh là là, le split, il est bon pour le moment, mon gars, il est bon. Il est bon, par contre, ça a pas l'air de tenir du tout. Trop. Oh si, si, quoique. Right. Non, ça tient pas. Ouais, ça tient pas. Non, mais si, ça même fuit. Si ça tient, le truc, c'est que niveau ressources, c'est pas la même derrière, quoi. Clairement. Oh, mais c'est joli quand même ce qu'il fait, le mec. Ah, mais il est hors creep, hein. Symbole, il a fait, je m'en fous, je suis hors creep. Il les sort 8 par 8, les maraudeurs, là. C'est une belle production, hein, côté Flash. Le problème, c'est qu'avec les mutas, il va devoir toujours avoir constamment assez de marines pour. Donc là, ça devient très compliqué. Mais il les sort par 6 pendant qu'il sort les 8 maraudeurs. C'est ça qui est pas mal quand même. Mais le 2-2 qui est pas terminé, c'est pour ça que je pense que si, c'est aussi ce qui a décidé Symbole d'y aller. Il fait allez, moi je suis 2-2, il est 1-1. On va en profiter pendant qu'on a un peu d'avantage. J'ai une économie qui me permet de jeter tout ça. De toute façon, ce sera pas perdu pour tout le monde, honnêtement. Non, clairement. Et attention, attention à ce qu'il allez, fait. Allez, c'est reparti. Il faut qu'il fasse gaffe. Hein. Par 6, tes marines, c'est pas beaucoup. Hein. Ça lui fait 6 marines, tout est allé à peu près 30 secondes. Bon, ils sont 1-1, ces marines. Ils vont en perdre sur la fight. Ensuite, faut que le reste ils puissent viser les mutas. C'est mort. GG. Ah, Symbole dans son style totalement caractéristique. Hein, le muta Gling Bending Roach. Enfin, Gling Bending Roach, puis ajout de muta. C'est vraiment totalement c'est Symbole. C'est stylé, hein. Son truc. C'est vraiment stylé. Et il aime bien ça, hein, de l'agressivité. Il peut défendre les pushes, il peut agresser derrière. Il est bien Symbole là-dessus. Ça, c'est vraiment ce qu'il aime faire. L'intelligence de son jeu, les amis, c'est que vu la compo d'armée qu'il va chercher, il est pile à la limite en fait où le genre terrain ne peut plus juste jouer sur des unités que je vais appeler medium. C'est-à-dire par exemple le marine, c'est une unité qui fonctionne un peu contre tout, donc c'est une unité on va dire généraliste avec sur lequel tu peux beaucoup t'appuyer. Le problème c'est que tu peux t'appuyer dessus en TVZ tant que l'adversaire ne part pas trop extrémiste dans son all-in. Et là ce qui est très intéressant c'est qu'il pousse la barrière avec son 152 pop, banning roach upgradé assez rapidement, mais pour autant il dépasse pas non plus, c'est-à-dire qu'il va pas chercher un 200 de pop ou un 180, il a quand même une économie Mickey propre, et donc quand il part attaquer, il te force à sortir de ta composition généraliste. Tu es obligé par exemple de rajouter des maraudeurs ou de la banshee ou du tank pour pouvoir. Et ce qui est excellent, c'est que tous les contres, donc maraudeurs, on va dire banshee et tank,
ses trois comptes qui ne fonctionnent pas du tout contre son follow-up Muta derrière. Et c'est ça qui est vraiment excellent, c'est qu'en plus il a l'économie pour se permettre ce follow-up. Donc c'est vraiment très smart, je trouve, comment joue Symbole, parce que c'est tout, c'est vraiment une histoire d'équilibre et il manie très bien cet équilibre. Donc un gros GG à Symbole qui a très bien brain flash, je trouve, de par son montage tactique. Ça manquait de mine quand même chez Flash, parce que tout ça, à ça fait. Marche aussi. Mine sans battre les lions, ça aurait été beaucoup mieux. Hein. Il faut des mines, surtout avec son split, quoi, il peut se le permettre. Ouais. Donc voilà, Flash qui est menacé. Un 1 partout contre Symbolu. Et c'est... comment s'est passé le premier match C'était Tails contre... contre Hush. Et Hush a mis un 2-0 sec attribution. Était... Viol. Par Tails Tails a galéré. Okay. Ah, il s'est fait marcher dessus. Hein. Je pense que d'ailleurs, on verra à la Game 4 qui a encore la marque de la semelle. Si tu regardes de près. C'est parti en haut à gauche de la map, les amis. Nous avons Symbole que vous voyez à l'écran. D'ailleurs, quand t'as pas d'équipe, du coup, tu portes le... il te passe un maillot GSL, ouais, c'est un ça t-shirt GSL, ouais. Pas de marque. T'arrives pas avec ton petit t-shirt fashion Non, marche pas. Okay. Tu prends un t-shirt GSL, tu te tais, tu mets le polo. Et en bas à droite de la map, pour la team KT Rollster, Flashounet. Kitty Flash. Ouh, commence à faire la moue. Quand ça commence comme ça, deuxième étape, c'est l'œil droit qui bug un peu. Donc attention, il est un peu en stress. C'est le premier lag avant le blue skin. C'est ça. Et le baraque moins 11, donc triple Reaper opening pour Flash. Toujours du Reaper pour Flash, hein, qui ne démord pas de cette stratégie qui lui permet de prendre... Jamais je mordrai avec mes Reapers. C'est ma guerre. Et il y a triple Reaper qui lui avait plutôt réussi un game 1. Il en avait lâché un, mais dans l'ensemble, il avait fait des bons dégâts. Il avait été sans complexe, on se rappelle aussi, sur son placement de bunker. On va voir s'il retente la même. Et là, ça va être différent de ce Symbole à 15 pool. Donc de toute façon... on va pas être sur la même configuration. Le 15 pool, c'est beaucoup mieux pour le triple Reaper. Donc à voir aussi si Flash va vraiment faire son troisième Reaper une fois qu'il va se rendre compte de... Tout dépendra aussi de la prise de gaz, parce que la pool ne définit pas tout. C'est vrai que c'est plutôt le Metabolic Boost qui contre les Reapers plus que le Zergling en lui-même. Mais quand même, la B2 qui est posée à 15. Et franchement, c'est marrant de voir qu'en code A, à chaque fois qu'un Terran limite mène... Le Zerg, la game d'après, il 15 poules. Non, il va me doubler avec ça, ce salopard. Il va faire un truc crado. C'est bon. Et c'est marrant, hein, parce que franchement, on en voit beaucoup des poules 15. Je trouve beaucoup plus que quand on caste des compétitions top Europe ou en dessous. Donc, très intéressant et très bien joué. À la fois et puis les Terran coréens sont quand même particulièrement fourbes, hein, quand il s'agit de Rax. Ils sont bien là. Maru, le légendaire Maru, s'était fait sortir par l'Ozira en faisant 3 fois 11-11 dans le match quand même. Hein. Ah ouais. C'était il y a bien longtemps, mais c'est arrivé. Et regarde, encore absence de complexe total, mais voilà, le 15 pool qui punit. Et tu vois, et ça marche plus. Et voilà. Mais bon, je pense il l'a cancel quand même, tu le diras. Ouais, voilà. Tu voir le... ouais, donc il a pris 75. Voilà, tu vois, il a juste perdu 25 effectivement, plus son SIV à 50. C'est pour ça qu'on voyait 75, mais le bunker en lui-même est sain et sauf, mais voilà. What? Et il va poser B2 sur le slot. Mais oh, Flash, mais so confiant le mec. Ah oui, non, là oui. Mais pourquoi tu fais ça? Ça rentre de Reaper! Oh là là, dommage. Attention là, ça bug un peu du côté de chez Flash qui se permet quand même de faire son troisième Reaper. Vous noterez qu'il a scouté qu'il n'y avait pas de gaz. Donc en fait, c'est vrai que c'est plutôt bien joué, c'est avec sa micro-gestion. Il sait qu'il va être capable de hold vu qu'il n'y aura pas de métabolique boost. Il fait quand même un troisième Reaper. Hein. Ouais, puisqu'il voit qu'il n'y a pas de gaz. Puisque quand il a perdu, il a vu qu'il n'y avait pas de gaz. Donc c'est pour ça. Bon, ça va, c'est bien joué en fait. C'est bien joué parce que il sait que les Zerglings seront jamais speed, tu vois. Ouais, mais enfin, il sait qu'il fera pas masse dégâts non plus, quoi. Enfin, mais pour la défense, par contre, s'il a pas ça avant les tourmenteurs, il peut être dans la merde. Ouais, effectivement, et ça, il n'aimerait pas. Il aime pas être dans la merde, Flash. Il préfère quand ça sent bon. Bonheur. Dans la soie. Dans la soie, ouais. Le Reaper, Symbole qui brain totalement là. Il est bien là, Symbole. Ah ouais, franchement. Bon début de game là pour le Zerg. Attention, les deux queens qui viennent faire la police. Et le Reaper qui est prié de retourner chez lui. Et on est plutôt bien pour Symbole, très en place. Attention, pas énormément de drones encore. On va encore faire bientôt quelques-uns. Mais pour l'instant, Flash qui est bien avec son troisième CC aussi, qui se remet d'aplomb. Et attention, pas perdre de Reaper encore une fois. Celui-là est chaud. Mais je disais donc Flash qui essaye de compenser par un troisième CC rapide, mais il le fait à chaque fois, donc attention. Ouais. Est-ce que Symbole le voit. Mais est-ce que Symbole va l'anticiper? Je ne sais pas. Symbole qui prend son double gaz un peu avant 6 minutes. Donc ça c'est très... Et qui prend les double gaz max. B2, hein, qui laisse les gaz de sa main. Ouais. Parce qu'il sait que c'est plus difficile d'aller chercher l'info en fait sur sa B2, puisqu'il faut passer par la main ou par la rampe gardée par deux queens. Donc prise d'info plus compliquée pour Flash, tandis qu'il sait avec les rangs, enfin avec les cliffs, c'est plus facile pour les Reapers d'aller voir dans la B1. Ouais, paradoxalement, vous voyez ici la petite queen d'ailleurs qui est prête à réceptionner. On part directement sur un T2 rapide là, 6-30 de la part de Symbole.
avec double gaz ici qui a été pris du côté du joueur Terran. On envoie les tourmenteurs, on envoie le Steam aussi. On a totalement arrêté de jouer mec hein, chez Flash en TVZ, alors que normalement sur un BO3 t'aurais forcément eu une game mec à un ah moment. Ouais Flash il jouait vachement mec. C'est vrai en plus que j'avais vu de ces games en effet. C'était sympa. Alors moi je suis pas un très grand fan du mec en TVZ, enfin moi non plus. Je trouve pas ça très jouable. Non je préfère clairement la bio. Et tant mieux, faut croire qu'on n'est pas les seuls. Ouais, non, mais c'est plus spectaculaire, hein, de toute façon, je trouve ça beaucoup plus agréable à regarder. Ouais. Ouh, attention, les bonne Zergling, transfusion. Qui ont pris une belle flamèche aussi. Bonne transfusion, comme tu l'as dit, sur la Queen. On hit et on run, attention de ne pas perdre ce Reaper, on a un petit Reaper de données ici. Il va y avoir le deuxième qui va tomber dans la foulée. Les Zélions qui font le taf. Ah, attention, est-ce qu'il va réussir à en choper une Queen quand même? Oh la vache. Il ouais, y a de la donation oh, là-dessus a... sur Flash, je sais pas trop ah, ce qu'il fait. Ah, pas une Queen si quand même, ah, voilà. Quand allez, même. Elle est pas. Il n'a pas fait le voyage pour rien, pas mal de Zergling et potentiellement allez, de Queen. Queen. Ah, il a deux tourmenteurs dans le vert, ah, il va pas les chercher, il va pas les chercher, il a quand même encaissé de la perte. On a le 1-1 et regardez, c'est du 1-1 de portée les amis. Et le Bataroach qui est là, et vu qu'il a vu qu'il y avait triple CC et qu'il a pas spécialement maxé son écho, ouais, tu me dirais il est quand même à 43 mais pour 35 c'est pas extraordinaire. Je serais pas étonné qu'on ait un bon timing Roach bien sale avant l'arrivée sur le timing en fait transition bio. C'est-à-dire sur le timing à peu près maintenant quoi, quand le bâtiment se finit, on voit tout de suite du Roach. Là, Flash qui a pas des, un BO idéal pour tenir ce genre de choses. Ah hein, clairement, il va être, c'est pour ça que s'il fait ça... Surtout que là tu vois, il produit rien avec sa facture, il a refait un réacteur plutôt que produire. Ouais, bah Flash, là on va lui souhaiter du courage, il va lui falloir quasiment un hold à la reine si... Attention, la symbole n'a pas encore lancé le push, mais là on voit 4 overlords ouais, en préparation. Tu vois, c'est un bon signe, alors qu'il est déjà libre de 55 à 84 quand ouais, même. Ouais, donc là, ouais, le ouais. mec il se dit vraiment là, il va y 200 avoir pop Roach maintenant. C'est ça. Je vais... Attention, je vais appuyer sur R et ton armée à toi va disparaître. 4SR. J'en ai 3000. Okay. Où je vais maintenant? Allez. Et maintenant, là-bas, chez toi, c'est chez moi. Et attention, il va y avoir beaucoup de monde hein, quand même là pour côté symbole. Ah, j'aime bien, ouais. Les cache ses roaches en attendant d'en avoir un peu plus. Le bunker qui est envoyé de la part du joueur Terran, comme tu l'as dit, sert de sa facto pour envoyer énormément d'addon pour que ses baraquements puissent commencer à produire plus rapidement. Donc pas de mine, hein, toujours pas de pas d'AOE, pas de tank, pas de mine. Ouais. Il fait beaucoup de marine, il va avoir des minivacs assez vite, ça peut être sa bouée de secours. Hein, clairement. La corde dans laquelle il va s'accrocher pour ne pas se noyer sous le flot de roche. Ouais. Mais ça va être délicat. Voilà le 1-1-1 qui se termine, hein, 1 d'attaque, 1 de défense, 1 de vitesse. Enfin, roche speed. Ah, c'est vrai qu'il a tout, défense, attaque et vitesse. Tous en même temps, regarde. Tuc, tuc, tuc. Ouais, c'est le style. Et par contre, ces roches, ils sont un peu loin. Je m'attendais à ce qu'ils soient limite déjà à toquer aux portes avant, à ce moment-là. Je pense que ça aurait été le timing idéal pour ouais, lui. Ouais, clairement. Non, clairement. C'est vrai que s'il avait pu s'approcher le plus près possible sans être vu, alors évidemment, plus vous vous approchez, plus la prise de risque d'être vu s'amplifie. Ouais. Mais c'est vrai que s'il avait pu être devant, c'est du gain de temps, c'est 2 minivacs en moins de sortie, 5 marines sont... Et même le 1-1, t'as vu qu'il va ouais. bientôt se terminer, qu'il n'aurait pas été là. Donc c'est non, c'est ça, clair. Non, mais que... à un moment, t'as beau être vu si t'as surprise. C'est vrai, t'as beau être vu, c'est... on est d'accord. T'as 6 fois ce qu'il faut, faut c'est pas bon. Oublier ce paramètre, on l'oublie souvent, t'as tout à fait raison. Attention, et la Flash qui est un peu hors de position. Qui ah, salut Nounou. Ah, non, mais je me casse en il fait. Il gagne du temps, il gagne vachement de temps la Flash, c'est super bon. Mais attention, voilà, ça va être compliqué. Il y a beaucoup de roches qui tapent à sa porte. Toc, toc, toc. C'est parti les workers qui sont tout de suite sortis, il fallait faire ce move pour faire en sorte de protéger au maximum le DPRS qui est les Marines, qui sont les Marines, plutôt les Marines qui sont totalement, ah bah je trouve un peu défoncés hein, pour le moment, même s'ils défoncent aussi tient, pas mal tient, les roaches. C'est vachement en train de tenir. Ouais. Symbole qui a beaucoup de VCS quand même. Non qui a ouais. Ouais. Mais symbole qui a donné beaucoup en avançant en fait, qui a pris un nombre de shots de Marine assez hallucinant. Grave. Mais voilà, 26 collecteurs tués. Symbole est bien. Symbole vous remercie. Symbole à 71 drones contre 28 VCS. Faut rappeler que c'est le but hein, de ce push là quand même. Ouais, hein, c'est de mettre en retard le genre Terran. Ah oui. Quoi qu'il se passe, tu prends 30 collecteurs, c'est très bien. Tu peux quasiment pas le kill. C'est très rare. Mais... C'est ça. C'est trop compliqué. Les roches, t'as pas assez de portée. C'est comme le Zergling, t'as pas assez de portée. Par contre, pour endommager et pour aller chercher l'impact. Pick up impact. Là. Là, c'est pas bon. Mal. Non, allez, non, c'est très bien. Flash qui se laisse pas prendre au dépourvu, qui va directement dropper pour essayer de voir ce qui se passe, mais c'est raté parce que les symboles est très au courant de ce fait. Ouais. Symbole qui prépare la transition Hydra hein, avec le 2-2, il va jouer Roach Hydra. Ça va être bien et après il ira chercher le Viper, probablement c'est la suite hein, quand on joue ça contre Terran. J'adore Symbole mais il va pas nous le laisser passer le Flash là. Hein. Ah mais pas grave. il va si tu passes, tu passeras par le loser mon ami, mais pas par le winner. Attention, Flash n'est pas mort hein. Non, bien sûr, il non, mais ce que je dis, c'est que Symbole, c'est marrant,
dernièrement, moi je pensais qu'il était un peu en dessous, qu'il n'était pas au top de sa forme. Et quand même, il nous propose, voilà, là, il tue, c'est tout. Le mec, il varie son jeu, un truc de dingue. Il tient Flash Easy, Rochidra et tout. Enfin, je trouve que c'est quand même des très belles games et qu'il joue très bien. Mais t'as raison. Flash est pas mort, mais Symbole est très bien là. Vraiment très très bien dans cette game. Ce serait pas mal, limite. Il peut se permettre de poser une B4, il peut se permettre des fantaisies là. Donc faut pas qu'il hésite, faut qu'il assoie sa domination. Comme le disent Testosis, quand tu es devant, tu prends encore plus d'avance. C'est le but du jeu. Et après, d'être tellement en avance que tu peux faire n'importe quoi, fermer les yeux, partir, faire le tour de la bousse à cloche-pied et gagner quand même. Bien sûr. C'est le but. C'est le but littéralement. Et il est pas mal là, vraiment Symbole. Le 2-2 qui est bientôt, enfin qui est fait aux deux tiers. La vitesse des Hydra. 18 Roach, 14 Hydra, 70 Hydra. Il va arriver. Donc, s'il fait la vitesse des Hydra, les amis, c'est qu'il a déjà la portée. Oui, elle a fini deux. Donc, il va avoir des Hydra totalement max. Donc, c'est bien joué. Et 2-2, et ça va faire mal. Structure et lost. Fausse d'infostation qui se termine aussi. Ça veut dire T3, ça veut dire 3-3, ça veut dire Viper. Aïe, 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 aïe. Ça peut dire aussi Infestateur. Ouais, ce que j'allais dire après ou avant. Mais de toute façon, dans tous les cas, hein, les deux gâché. Unités à spell, voilà. Ouais. Enfin, bon, c'est de la tuerie. Mais bon. Privilégier la Viper, c'est Flash vrai que... qui a géré quand même un truc super bien, son 2-2, qui est quasiment en même temps que celui du Zerg, c'est quand même c'est une belle chose. C'est vrai, là-dessus il a pas. Il a dit non. Il a dit là-dessus j'aurais pas de retard, mec. Ouais, ça lui permet de rester dans la game en fait, hein, littéralement. Voilà, le T3 qui est lancé. La B4 qui est posée, Symbole, qui est honnêtement une belle option sur le match des winners contre Hush. Ouais. Un PVZ. Ça lui coûte cher quand même. Ce Flash là, je me rends compte que s'il veut envoyer son 3-3. Il peut pas envoyer de gaz. Il est un peu. Ah, il va falloir qu'il joue toi à la micro, les amis. Ouais, non, là, il va lui falloir vraiment. Et il a beaucoup de medivac, donc d'un autre côté. Là, là, attention, allez. Enfin, Symbole qui se rassemble, qui commence à prendre le contrôle de la map. Symbole qui aime moins les tumeurs que Némé Shine tout à l'heure. Shine qui était à 99 tumeurs à un moment. Wow. C'était. Ah ouais, d'accord. C'était creep party sur la map. C'était assez impressionnant. Et le bureau qui est envoyé de la part de Symbole, le joueur Terran qui fait sa sortie. On est à 192 de pop pour le joueur Zerg, 176 pour le joueur Terran. 16 maraudeurs, 50 marines, 12 médivac, ça c'est pas mal, hein, 12 médivac. Ouais. Ouais, il paraît tout là-dessus, mais c'est vrai que derrière, pas de tank, pas de mine, pas de dégâts de zone. Attention, ouais. Contre du Rochidra, pas de tank, franchement les mecs. Moi ça me fait peur. Ah, moi je préfère le full bio. Ah bon, contre Rochidra. Ah, je préfère le full bio. Hey, Doomdrop. Doomdrop. Ça c'est bien tenté. Attention. L'Hydralisk là quand même qui pourrait peut-être se faire un petit medivac. Ah non, ils sont pas assez. Non, pas le temps, mon gars. Et là il va se faire prendre la moitié de son armée absolument gratos là-dessus, Symbole. Il va probablement perdre son Roach Warren aussi. Il revient en catastrophe, mais je sais pas si ça va suffire. Le Roach Warren qui est tombé, ça veut dire plus que des Hydras en ripop. Qu'est-ce que c'est bien joué tactiquement. Il reste encore la poule, il reste le T3. Les Hydras qui viennent d'arriver, mais vous voyez, ils sont pas du tout ensemble donc pour le moment. Flash se rend compte que c'est plutôt pisse. Est-ce qu'il repart pas? Il vient de choper son T3, il peut repartir comme un prince. Et en fait, non, mon gars, prise de fight dans ta gueule. Il est engagé, ouais. Symbole qui est en train de prendre une grosse flashiale là-dessus. Il va perdre toute son armée. C'est GG. Tout sur le positionnement. Tout. Le Doom Drop. Oh là là, le salaud. Sereinement. Normalement, ça devait pas se passer comme ça en frontal. Il l'avait gagné en fait la game. Oh là là, le tricheur, tellement bien joué. Il a oublié. Ouais. Et Flash qui passe. Regarde la tête, quoi. Mais j'étais devant, laisse-moi tranquille. Il m'a fait le coup du berger. Mais enfin, je suis un noob. Très bien joué, les amis. Hein. Très bien joué. Oh là là, oh, Flash. Salaud. Et ballsy, hein, il les a posés sur sur la table. Franchement, le Doom Drop, il a dit allez, t'as des Hydra, je m'en fous, j'envoie tout. Au pire, je perds un 2 medivac, mais j'aurai tellement dans ta base que je vais te faire beaucoup trop de dégâts. Puis comme tu l'as dit, il y a 30% de l'armée qui s'est fait 30 à 40% qu'il a absorbé gratuitement avec 100% et du coup après plus que 60%, donc il y a encore moins. Donc vraiment très bien joué de la part de Flash qui s'impose. Du coup, le prochain match, Flash contre Hush, ça va être du lourd. Un TVP Flash contre Hush. Hush aussi qui a très bien joué. On fait une petite pause les amis, on se retrouve tout de suite après pour le winner match. À tout de suite. Allez.